support proposé pour semaine 1, CM2. Help present to grade 5, week 1. Se présenter et présenter quelqu'un. How to present yourself and present another person. Salut, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Like we said, hello, good morning, good afternoon, good evening. M means monsieur, MME means madame, MLLE means mademoiselle. La réponse est la même. If you said bonjour, monsieur, he will say you bonjour. If you said bonsoir, madame, she will say you bonsoir. Au revoir, à bientôt, à tout à l'heure, à plus tard. La réponse est la même. Like we said goodbye. If you said to your friend, au revoir Ahmed, he will say to you, au revoir Mohamed. Présente-toi. Introduce yourself. Prénom means your name. Nom means your father name. Age means your age. Nationality means your nationality. Ville de résidence, the city that you live. Métier means job. Exemple. Je me présente. I present myself. Je m'appelle. I said my name. For example, Ali. I will say my age. J'ai 10 ans. Je suis égyptien. My nationality. J'habite dans un appartement à Riyad. Where did I live? Je suis un élève à l'école à l'Aruba International. I am a student at which school? À l'Aruba International. You can present yourself the same way. Bonjour et bonsoir. Regarde bien les images. Look well these photos. Tu vas entendre 5 façons de dire bonjour ou au revoir. You will listen 5 ways to say good morning or goodbye. Note le bon numéro dans la pile des personnages. After you listen the audio, say we means which photo. Bonjour. Bonsoir. Message 1. Bonsoir. Nous voilà. Bonsoir, nous voilà. Answer E. Why? Because the man and the woman, they arrived to visit this person and they said, bonsoir, nous voilà, good evening, we arrive. Message 2. Bonjour, monsieur Chamard. Answer C. Bonjour, monsieur. Message 3. Salut. Tu vas bien? Answer D. Salut, tu vas bien? Friend talk to another friend. He said, salut, tu vas bien? Hello, are you fine? Message 4. Bonne nuit. Faites beau rêve. Bonne nuit, faites bon rêve. Answer B. The father, he said to his son, good night, have a nice dreams. Message 5. Allez, bonne journée. Allez, bonne journée. The father said to his son, go, have a nice day. Compréhension écrite. This means that you have to read and understand it to match what written with which photo. Je te présente ma meilleure copine. I present to you my best friend. This is answer C. Bonjour, monsieur, vous êtes le professeur de maths. Good morning, sir. Are you the teacher of maths? Answer A. Vous vous appelez Lucille. Your name is Madame Lucille. Answer D. Je m'appelle Samuel et toi. My name is Samuel and you. Answer B. Les symboles. Écoute, montre, mime, chante, parle, regarde, lis, découpe, écris. Écoute, montre, mime, chante, parle, regarde, lis, coupe, écris. Les personnages. Les parents, le père, la mère, le frère, la sœur, les enfants, le fils, la fille, le cousin, la cousine, les grands-parents, le grand-père,
la grand-mère, les petits-enfants, le petit-fils, la petite-fille, le mari, la femme, l'oncle, la tante, le neveu, la nièce. La famille Legrand. Bonjour, je m'appelle Luc Legrand. Bonjour, je m'appelle Luc, Monsieur Luc numéro 1. Bonjour, moi, c'est Jeanne Legrand. De Madame Jeanne, la femme, la mère. Salut, moi, c'est Alice. Alice numéro 3, la fille, la sœur. Moi, c'est Maggie. Maggie numéro 4, la sœur, la fille. Salut, moi, c'est Léo. Léo numéro 5, le fils, le frère. La famille Legrand, les grands-parents. Les parents, les enfants. Les grands-parents, le grand-père Monsieur Louis, la grand-mère Madame Anna, le grand-père Monsieur Pierre, la grand-mère Madame Colette. Monsieur Louis et Madame Anna ont une fille, elle s'appelle Jean. Jean est la fille de Monsieur Luc. Monsieur Pierre et Madame Colette ont deux fils, Luc et Bernard. Bernard est le mari de Madame Sylvie. Bernard et Sylvie ont trois enfants. Pauline, Bob et Tom. Luc et Jeanne ont trois enfants, Alice, Leo et Maggie. Présente ton copain. Present your friend. Prénom, his name, his father name, age means age and nationality, his nationality, ville de résidence, the city he lives, and métier means his job. Example. Salut. Je te présente mon copain. I present you my friend, il s'appelle Mohamed. Sa famille s'appelle Hamed, il a 13 ans, il est égyptien, il habite dans un appartement à Riyad, il est un élève à l'école internationale d'Al-Aruba. Merci pour vous et à la prochaine fois avec nos salutations et au revoir.